auditeurs, comprenez, Warabine, comprenez, tous les membres, comprenez, comprenez, tous les membres, comprenez, tous les membres. La contribution de Blaise, c'est pas prendre des armes ou bien faire un règlement de compte, mais juste pour apporter un plus à ce que nous cherchons aujourd'hui. Le Burkina Faso tout entier ne cherche que quoi? La réconciliation nationale, le pardon, la cohésion sociale, l'entente entre les filles et fils du Burkina Faso. C'est ça l'objectif de Blaise Compaoré. Je suis allé en Côte d'Ivoire, c'est ce qu'il m'a dit. Nana Thibault, je te remercie de bien venir me rendre visite. Mais mes soucis sont que j'ai la nostalgie de mon pays. Je veux revenir au pays, mais il faut la volonté de Dieu d'abord. Il faut la volonté du président Roch-Marc Christian Kabore. Et il faut la volonté du peuple qui l'avait tout entier. Mais Dieu a fait, Dieu a choisi, Dieu a voulu. Le peuple veut. Blaise est là aujourd'hui. Aujourd'hui, nous on est sortis pour rencontrer le grand Blaiseau, le grand père. Voilà, nous on veut la paix, la réconciliation de tous les fils et filles du Burkina Faso pour un paix durable. Voilà, donc nous on est dans ce thé-là. Voilà, on veut l'accueillir d'abord, donner l'eau, comme on le dit communément dans notre langue, le sang-co. Et voilà, nous on est sortis pour faire un accueil chaleureux au papa Blaiseau. Il a été plusieurs fois facilitateur, médiateur. Et nous pensons que si nous on apaise nos cœurs, la paix va revenir au Burkina Faso. Et vraiment, on ira de l'avant. Voilà, merci beaucoup et vive Papa Blaise. Sans la justice, fait son travail. Parce que je pense que la justice n'a rien à voir avec la réconciliation. Voilà. On peut bel et bien se réconcilier et la justice après fait son travail. L'essentiel pour nous ici, l'essentiel de rechercher ici, c'est la paix, la réconciliation et la paix. La haine politique, ça ne fait que diviser et ça ne nous avantage nulle part.